Coucou, bienvenue de retour chez Première Dame Look. Les divas, je vous ramène ces looks modèle top notch ban. Voilà une vidéo vraiment, vraiment requested, très sollicitée par plus de 500 personnes sur mes réseaux sociaux. J'avais posté mes photos de la grossesse et tout ça, cette période. Et puis j'ai réussi plus de 500 messages, croyez-moi. Adrienne, comment est-ce que tu as réussi à faire ces chignons? Alors que pour moi, ça paraîtrait trop simple, hein? Mais pour d'autres gens, c'est un peu difficile. Je vais vous montrer comment les réaliser dans moins de 20 minutes, toi-même à la maison. Donc, rassurez-vous de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin pour une meilleure compréhension, car nous allons aussi styler nos baby hair, les petits cheveux de devant. Là, on va mettre les gels et tout ça pour faire un petit peu, you know, baby hair, les styles. Hein. Si vous êtes là, aimez la vidéo, laissez vos commentaires, vos impressions et tout ça. Si c'est votre première fois de voir ma vidéo, you know, abonnez-vous. Et puis, bienvenue dans la famille de Première Dame Look. Cette vidéo est faite pour tout le monde. Voilà, rassurez-vous de bien peigner vos cheveux. J'utilise cette pommade Kusa. Je l'achète dans des shops asiatiques. Voilà, je l'utilise vraiment avant de mettre les gels. Je commence avec cette pommade. Je le trouve super bien. Cette pommade a un peu des herbes, hein, you know. Ça m'aide vraiment beaucoup avec mes cheveux et tout ça. Voilà. Après l'application, je prends un petit peigne. Après, je brosse bien mes cheveux et tout pour que lorsque je vais faire mon chignon, que ça puisse bien se faire et puis que tout le cheveu puisse faire partie du chignon. Mais tellement que la tête me fait mal, j'ai pas voulu les faire avec les fils et tout ça. J'ai opté de le faire avec mon elastic band. Voilà, c'est une option. Si vous voulez, vous pouvez bien faire le vôtre avec un petit fil et tout ça. Mais pour moi, la tête m'est dérangée, ou bien la tête me dérange cette période. Voilà, je ne voulais pas faire un chignon super, like, you know. Je sais même pas comment expliquer, mais vous me comprenez. Je prends les gels pink. Je l'achète aussi dans des shops asiatiques et je vais appliquer main après. Mais je vais juste utiliser un paquet d'expression. Ces paquets de mèches, vous pouvez le trouver partout. Là, en tout cas, je ne vais même pas vous dire là où je l'ai acheté, parce que je sais que tout le monde sera dans la possibilité de les trouver. Séparez ça en deux. Rassurez-vous de le peigner. Rassurez-vous qu'elle est lisse et tout ça. Vous pouvez l'utiliser 1, 2, 3, 4 fois. Autant de fois que vous voulez. Et puis, mettez aussi un tout petit peu de la pommade sur vos, you know, les mèches et tout, juste pour un petit peu de l'éclat et tout ça. Voilà, pour mon cas, je suis en train de faire ça. Ce serait aussi bien si vous le faites. Voilà, après avoir fait ça, je prends les gels de pink. Je suis en train de mettre partout dans la tête. À cette étape, je me concentre pas encore avec les baby hair, parce que là, on les fait après. Après avoir appliqué les gels, je prends le paquet de mèches, séparé en deux, comme vous le voyez là. Je le dépose par derrière, pas en avant, pour, you know, je sais pas, pour éviter que ça puisse tomber ou tout ça. Je prends ça, je mets ça derrière et puis je fais un knot. Je sais pas, un knot en français, c'est quoi, mais un knot, c'est en anglais, c'est que je suis en train de faire là. C'est très simple comme bonjour. Après avoir fait ceci, c'est, you know, ça dépend de toi. Tu commences à jouer avec les deux morceaux des mèches. À mon cas, je suis en train de twist. Je suis en train de twist. Twist en français, c'est quoi? Comprenez que moi, je parle beaucoup anglais. Je suis en train de twist. Je le twist de gauche à droite. Je suis en train de twist. Et puis,
Je vais faire passer un derrière et puis on concentre d'abord avec une partie, on laisse une autre partie, car travailler avec deux parties au même moment, c'est pratiquement impossible. Hein. Rassurez-vous d'avoir des pinces bobby pin pour sécuriser la partie qui est derrière. Et oui, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. Hein. Voilà, vous mettez des bobby pin, juste des pinces, hein, voilà, pinces pour sécuriser votre modèle. N'utilisez pas assez beaucoup de pinces parce que vous n'aurez pas vraiment besoin de beaucoup de pinces, peut-être 10 et tout, voilà. Je suis en train de twist et puis je le fais passer derrière comme vous voyez là et puis tu sécurises le top avec une autre main et puis l'autre main te sert pour justement twist, hein, voilà. Et puis tu prends des bobby pins, tu les sécurises, tu fais autant de fois. Mais rassure-toi que ça puisse pas tomber, hein. Tu fais ça, tu prends les bobby pins, tu fixes entre les deux. Je vais vous montrer entre les deux, celle de top et celle d'en bas, quoi. Tu mets un bobby pin pour les fixer, pour éviter que ça puisse tomber dans la fête, je sais pas moi où là. Donc, twist. Après, on le fait passer derrière. On a notre bobby pin, on a notre pince prêt à le sécuriser. Je crois que cette explication est super bien. Utiliser ou bien travailler avec une partie avant et puis vous laisser l'autre pour achever après, quoi. Voilà, twist. Vous les faites passer derrière, comme vous voyez là, et puis vous les sécurisez avec un bobby pin. Voilà, ma page Facebook s'appelle Adrienne Première Dame. Rassurez-vous de liker ma page et pour être aussi en communication directe avec moi. So, on prend la deuxième partie, on fait la même chose, sauf que avec cette deuxième partie, ce que tu as besoin de faire, c'est concentrer pour la partie la plus haute. Donc, tu vois, là, on a déjà créé des bandes, mais la photo que vous avez vue avant, on va avoir 4 notes. Sur la deuxième partie, va nous aider pour réaliser les deux bandes qui nous restent. Twist, en train de tourner, et puis tu concentres, you know, au top. Tu vas faire maintenant deux bandes au top des ce que tu avais déjà mis placé comme fondation. Voilà, je suis en train de faire. Rassurez-vous qu'à chaque fois que tu es en train de twister, tu prends un bobby pin, pince pour fixer. Sinon, ça va tomber. Parce qu'on réalise un top, you know, c'est trop long et tout ça, sans l'effort ou bien sans l'utilisation des pinces. Tu vas pas rester, le note va pas rester en sécurité. So, après avoir fait ceci, vous, you know, jouez seulement avec des petits mèches qui restera là, tu es en train de camoufler tout ça. Après, tu fixes des pinces partout. Tu le touches bien, hein, voilà, pour sécuriser. Et puis, tu places les pinceaux là où tu trouves qu'il est, hein, t'es en danger, quoi. Après, tu vas faire quoi? Tu vas arranger, tu le fais monter plus haut pour que ça puisse paraître ainsi. Voilà, on a 4 bandes réalisées dans moins de 10 minutes. Vous l'avez constaté, cette vidéo, on n'a pas fait passer vite, parce que je voulais bien vous expliquer comment les réaliser. Regardez, 1, 2, 3, 4. On a enfin réalisé 4 bandes avec un paquet de mèches. Voilà, nous allons bientôt passer à la deuxième partie. Comment on va styler les baby hairs? Je prends une brosse à dents, les gels, et puis regardez ce que j'ai fait. Je prends d'abord tout ce que j'ai comme baby hair devant là et tout ça. Je mets les gels et tout, un peu beaucoup de gel. J'utilise la brosse à dents parce que ça m'aide de prendre tous tes petits cheveux, voilà, après.
après, je suis en train de faire ça. Et en plus, je vais prendre un peigne juste pour faire des zigzags, pour tracer des lignes, pour faire ceci. You know, ça, en tout cas, ça dépend d'une personne à une autre. Comment est-ce que tu veux faire dans ta tête? Mais pour moi, j'ai fait, d'habitude, j'ai fait de gauche à droite, 3 à 4. Après, les excès, hein, les excès des gels, je l'enlève avec la main ou papier mouchoir, je sais pas moi. Voilà. Rassurez-vous d'aimer cette vidéo, d'aimer la vidéo. si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour plus de vidéos en français. Abonnez-vous chez Première Dame Lou. Hey, si maman, elle est la star de papa. Maman a commis star à papa na Katiandako. Voilà banambo kabo singa vidéo oyo yango ekomo tendre vers la fin buti kabo impression na binou vraiment laissez vos impressions, vos commentaires et tout ça, ça va me faire absolument du bien. Et voilà ma face d'une femme enceinte. Je me suis sentie obligée de vous faire cette vidéo et puis voilà les résultats, absolument réussi, absolument bien, je suis contente. Voilà. Et après, lorsque vous mettez les gels, et il faut juste prendre un petit papier et tout ça, nettoyer les excès. Hein. Après, vous mettez même un foulard ou quoi que ce soit pour garder ce look très bien. Voilà, je suis en train d'enlever les excès des gels comme je vous ai expliqué. So, on a réalisé notre 4 pannes dans moins de 10, you know, moins de... Ça m'a pris absolument pas plus de 30 minutes, 20 minutes maximum. Hein. Voilà. Après avoir fait ceci, je me suis maquillée quand même, hein? Je me suis fait belle. Attendez, je vais vous montrer. Attendez une minute, je vais vous montrer. Et oui, voilà, ça c'était from... From normal to hot, from basic to body. Voilà, cette vidéo tourne vers la fin doucement. Je suis absolument heureuse, you know, de l'avoir réalisé pour vous. Rassurez-vous de m'envoyer vos photos. Botine d'abord photo nabino inbox. Envoyez-moi vos photos inbox. Regardez la photo très très bien. Ouf, j'adore ces looks. Vous pouvez les mettre dans une fête des mains. N'importe où est-ce que vous partez. Mais tellement que moi j'adore des chignons, je suis là toujours en train de chercher quoi faire à la prochaine ou quoi faire next. So restez bénis avec moi. Et ouais, jusqu'à la prochaine, hein, tolo bar ensemble avec Bino, Première Dame Look, Maman Komi, Star à Papa na Katia Ndako. Mouah, à très bientôt.